Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour le chat. Je baisse le son. On va lancer le jeu. Je suis un peu en décalé. Y a des travaux à côté de chez moi. C'est compliqué. Bon, j'espère que tout le monde va bien et que vous n'avez pas vu trop de schtroumpfs hier. Faut que j'écrive un message d'ailleurs à Strega pour dire des problèmes. Non, 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 c'est juste moi qui me suis décalé. Y a des travaux à côté, je me suis décalé en plus et j'ai eu un problème de connexion, mais c'est pas vraiment un problème en vrai. Non, c'est pas grave ce que je veux mettre. Ah, c'est censuré, hein. Ah non, aucun schtroumpf chez moi. Non, 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 mais les schtroumpfs, c'était hier soir. Chez Franck Brusset, il y a eu un schtroumpf qui a été dessiné apparemment. Je suis arrivé après, mais voilà. Qui a été dessiné par l'anti-stream et apparemment, ça, c'était ma blague. Il était hardcore apparemment. T'as fini de planter tes piquets. C'était quoi les piquets que tu plantais? J'ai l'impression d'être plus petit que d'habitude, mais c'est peut-être qu'une impression. Alors attendez. Je sais plus ce qu'on faisait, mais on cherchait un cordonnier, ça c'est sûr. Ah oui! Ah oui! Le test infernal. Alors. Oui! Oui, c'est vrai qu'on était là. On s'était laissé là. On avait dit oui, on peut tenter. Mais Jaira était morte de. Alors, sur ses coups, je les avais laissés faire. Du coup, elle était morte. On ne sait pas exactement pourquoi. Bon, du coup, on va se mettre ça sur nous. Ah, oui, si, c'est ça. Elle avait été brûlée par, du coup, le cher ami. Je ne savais pas que c'était. Problématique. Le serviteur de Dame Nature attend. J'ai un prix pour les poneys et des. Ah, t'as des poneys et des vaches, waouh. Incroyable quand même. On C'est y va. fait. Madame, je trouverai un morceau. Je peux toujours essayer. Il va y avoir, faut que tu te mettes là. Roland, tâche facile. Toi les cas. Hop. On a un petit problème. Non, you cannot fall. Ça c'est sûr. Ça, on est d'accord. Oh, il a piqué de la vie à quelqu'un. Et on revient au corps à corps. Pour l'instant, la seule personne qui est protégée apparemment contre ces combats, c'est. Puis-je vous aider? Le cher ami. Oui, aux figures autoritaires On me va faire. présentes. Ouais, on peut faire ça. Ouais. Est-ce que t'as. Ouais, t'as d'autres flèches? Je crois que t'as d'autres flèches. Vous avez Jaira. quelque chose à Il nous accomplir? faut la de. Notre amie invocatrice. Ça y est. Ok, on recule un petit peu. La position des mains.
Ça devient compliqué. Dorn, tu ne peux pas tomber, je suis d'accord avec toi. On va la voir aujourd'hui, hein. J'ai décidé aujourd'hui, c'est on l'a. Daira, si un petit peu. Il faut que tu apposes ta vie sur quelqu'un d'autre. On va passer à autre chose. D'autres flèches. Donc là, tour du pré est planté. J'ai fait 8 parcelles pour faire des rotations où j'ai planté les coins. Les restes seraient en piqué en fibre. On va se prendre une petite potion. Hein. Oh non ! Dorn est tombé. Oh là là, petit problème. Oui. Il faut pas oublier que c'est un vampire et qu'il faut lui bouffer sa vie en utilisant des techniques de vampire. Rappelons-le nous. On a besoin de ça. On va utiliser l'aura de désespoir tout de suite. Ça, tout de suite. Toi, t'as rien. Toi, t'as quelque chose? Non. Peut-être un piège, mais ça marchera pas. Y a pas de protection, donc on s'en fout. Le serviteur de Dame Nature attend. Alors, peau d'écorce sur quelqu'un. Il nous faut Dorn, peut-être. Aïe. T'as embourbé l'utilitaire, carrément. Je vous ai pas montré, mais j'ai trouvé le train du Sbeul ici. J'ai trouvé un train du Sbeul, en tout cas. Je voulais en faire... Je vais vous montrer ça après. J'avoue que transformation d'animaux, je vois pas trop l'intérêt pour nous. Convocation d'insectes, fourvoiement magique. Ça pourrait être pas mal, fourvoiement magique, mais je suis pas sûr que ça fonctionne vraiment sur cette personne. Ralentissement du poison, baie magique. Bénédiction. Armure de la foi. Alors l'armure de la foi, c'est sur nous. Je pense qu'on est pas mal après. Je crois qu'on a utilisé tout ce qu'on pouvait faire. Ah si, on avait des potions, on avait dit. Potion de force du géant, ça peut être pas mal. Potion d'héroïsme, ça peut être pas mal. Puis-je vous aider ? Potion de clarté, potion de géant du froid, ça peut être pas mal. On avait dit que c'était pas mal, ça. Potion d'héroïsme, on va utiliser ça. Vous êtes une bien étrange personne. De rapidité, ça peut être pas mal. C'est ça qu'on avait oublié la dernière fois. Hop, 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 c'est bon, oui, on y va. Sûr. Un vampire, peut-être que lui faire des soins le blesse, grave, pas sûr. Ah, mais attendez, c'est vrai que ça pourrait être pas mal ça. Pas bête. Donc on laisse Dorn. Et Dorn. Et Khalid attaquer. Pour l'instant. Ensuite, on va prendre... On a des trucs de... Ça c'est quoi déjà? C'est les plus 1? Non, ça j'en fiche. Faire ça d'abord. Ça ensuite. D'abord ça, et après ça. Ça c'est quoi déjà? Elle fait quoi? Charme de créature, jet de sauvegarde contre les souffles. Ça peut être pas mal, mais plus tard. Il y a d'autres personnes qui sont couvertes de cap. Ah non, elle est déjà... Non mais elle est déjà bloquée, mais je suis choqué! On vient juste d'arriver, pourquoi elle est déjà bloquée? C'est celle qu'on a le plus besoin, pour une fois. Vous pensez qu'on s'en sort sans GRA? Je ne pense pas. Avez-vous besoin? Ma lame vous coupera un morceau. Allez! Bouffez-lui sa vie! Il est déjà bloqué lui aussi, j'en peux plus! En général, on s'en sort, hein! Légèrement blessé, JPP. Bon, je pense que Khalid est dead. Donc on recommence.
Oh là là, t'as pas un prêtre? Non, j'ai des druides. Nous, on est team la nature. Tout ce qui est magie, c'est pas trop nous. Hein. Bon. Poison de clarté a fait quoi? Immunise le buveur contre les effets de. Ah ah! Ça peut être pas mal en vrai. Bon. Aura de désespoir. Hop. Vous allez boire la potion d'héroïsme plus la potion de géant d'effroi, géant de feu et potion d'héroïsme et potion de géant des nuages. On va faire ça. Potion de clarté. Harmonie défensive, déjà. De rapidité, oui. Potion d'héroïsme. Non, on avait dit potion de. Voilà. Ça, tu l'as pas pris, donc tu prends. Merci. Maintenant, t'empoisonne ton arme, s'il te plaît. Te transforme en combattant moine de l'enfer. T'équipe de ton arme, s'il te plaît. Toi, tu vas plus nous servir à rien. Ok, et je pense que là, c'est bon. Maintenant, on avait dit ça. C'est bon? Ça, c'est de l'acide, donc du coup, on va la prendre. Ça peut toujours servir. L'acide, je pense que ça peut être pas mal. En vrai, si on avait des dégâts d'acide, je pense que ça pourrait être pas mal. Ils n'ont pas repoussé les morts-vivants, normalement. Les druides ont droit d'utiliser des sorts de prêtres. Je check. Ouais, mais je crois pas. Hein. En tout cas, j'espère que tu vas bien, Clem Lelue, malgré tes piquets et ton embourbement d'utilitaire. Je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est encore en préparation? Non. Écorce, on va mettre sur Dorn. Et c'est Dorn qui va cac. Plus que les autres. On est bon. C'est fait. Maintenant, positionnement. Piou piou. Une tâche Mais facile. là pour nous. Mais là déjà. Vous, mon cher. Un petit kamehameha de bonjour. Petit piquage de vie de bonjour. Et petite invocation de bonjour. Ça serait pas mal une petite invocation. C'est comme si c'était fait. Juste petite invocation. On va faire les animaux. D'abord, ça va plus vite. Allez, on se concentre. Allez, Fralid est déjà en train de décéder. Toi, je veux que tu. Ah! Il a sorti son épée! On veut pas que tu sortes ton épée! Prends-lui sa vie déjà. Petit Kamehameha, une deuxième fois s'il te plaît, Razad. Nous faire. Il a piqué sa vie, ok. Un tueur de magicien, à un moment, faut que tu fasses un rallye de tuer des magiciens. Oh, mon cœur. Ok. Le serviteur de Il a pris cher là. Attend. Ok, c'est toujours le même. On va protéger Khalid parce que je comprends pas ce qu'il fait. Oh non, je suis bloqué! Il m'a bloqué! Quel enfer! Prendre cher. Ok. Je suis pas. Je suis encore bloqué là? Pourquoi j'ai bougé? Pourquoi je suis plus bloqué? S'il vous plaît, faites quelque chose. Oui, bien sûr. Passons aux choses sérieuses maintenant. Pourquoi elle est bloquée? J'en peux plus! Je peux toujours essayer. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Oh non, mais non! Comment c'est possible que c'est allé aussi vite là? Genre, je me suis approché, c'était dead. Bon.
va prendre les potions en premier. Vous êtes une bien étrange personne. Mon abus ? Ok. Continue. Qu'est-ce que vous voulez ? J'essaie de te parler. Potion de perception, je pense que ça ne servira à rien. Potion de liberté, c'est pas mal. Comme ça, peut-être que tu vas t'en sortir. Potion de clarté, on va rajouter. On va claquer toutes les potions parce que de toute façon, on ne les utilise pas. C'est quoi ça ? Invisibilité ? Pas très intéressant. Pas très intéressant. Pas très 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 intéressant. Je pense que l'invisibilité ne servira pas à grand chose là sur le coup. Puis-je vous aider ? Ok. Passage. Buvez votre potion là. Merci, merci. Ok. C'était long là, votre tour. Ensuite. On avait dit. Écorce sur Dorne. Elle a besoin de se concentrer. Ouh là 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 là, c'est pas du tout rapide cette histoire. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste ? Armure de foi. Azad, il va nous faire un petit truc là. Ouais, petit point de préparation. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Pas grand-chose. Avez-vous besoin de mes services ? Oui, on va dire oui. La bénédiction. Bénédiction, on est d'accord que ça... C'est groupe. Et je l'ai pas utilisé depuis longtemps, ça. Hein. Sur quelqu'un, c'est sur quelqu'un. Je vais bénir... Qui je vais bénir ? Le plus faible. On bénit le plus faible. Je vais bénir, touché par la grâce. Et on y va après, hein. Militaire est tellement pas aux normes qu'il ne sert que de brouette chez moi, mais ça ne me dérange pas trop. Ok, c'est parti. Ah, c'est tout le monde. Allez, c'est parti. C'est parti, on est tous bénis. On est bénis des dieux. On ne sait pas lesquels. Oui, c'est fait. Maintenant. Petit Kamehameha de bienvenue. Petit volage de vie de bienvenue. Toi aussi, petit volage de vie de bienvenue. On dit bonjour, hein, bien sûr. Jaera, petite mise à l'écart de bienvenue. Ensuite, invocation de notre chère fourvoyeuse magique. Non. C'est ça ? C'est ça. Elle a été touchée vampiriquement déjà. C'est mal parti pour. Quoi ? Mais il a pas mal de PV. C'est faisable. Pourquoi on est là au fait ? Oh là 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 là, c'est le bordel. Petit Kamehameha ? Pourquoi tu es là ? Pourquoi tu es là ? Pourquoi tu es là ? Merci. Est-ce que t'as pas un truc dans ton baluchon ? Hache de Bala, le tueur de magicien, je peux utiliser ça ? Vas-y, je vais utiliser ça. Tue-le ! Je suppose que la hache de Bala de tueur de magicien n'a pas servi beaucoup. La confusion, peut-être pas. L'appel de la foudre, ça servira à rien, on est à l'intérieur. Faut voir mon magique, ça serait pas mal. Petite protection là pour. Ouais, une petite protection peut-être. Hein. Je peux toujours essayer. Dorn est en train de prendre cher. Je m'affaiblis. En fait, les attaques. Pourquoi t'es là ? Mais il est là ! Pourquoi il est là ? Je ne veux pas que tu sois là. Est-ce que vous pensez que la confusion va marcher sur cette tête ? Je ne pense pas. Domination mentale, je veux bien essayer. Oulala, là là, peut-être que nous allons gagner. Il faut juste s'en sortir. Avez-vous besoin de mes services ? Mets un peu à l'écart. Ouais, ces deux-là. À l'écart. S'il n'y a pas le choix. Bande.
Pour les vies. Non, après tu prends des vies, toi. Tu prends des vies. Donner de la vie à ce temps... Pardon. J'allais dire un gros mot. On revient au 440 pour Razad, s'il vous plaît. S'il n'y a pas le choix. Domination mentale, ça n'a pas l'air d'avoir marché. Blessure grave. Mais non, mais blessure grave, c'est sur moi, c'est ça l'histoire? C'est vachement con. C'est vachement très con, ce truc. Pourvoi mon magique une deuxième fois, si c'est possible. Il nous faut de la vie. Il nous faut de la vie. Ouais, approche-toi juste là, s'il te plaît. Transfère-moi, c'est... ça. Hop. Hop. Jeu de menuing, bien sûr. Je crois que Dorn, tu n'es pas trop en place pour faire ce genre de bail. On va refaire une gestion de soins. Pour Dorn, bim, bim. Ah mais t'en es déjà. Bon, je garde, hein. Bon, tu, je te donne, mais 1, 2. De la vie pour lui, là, s'il vous plaît. Ah, faut faire un truc, hein. La convocation des animaux, c'est pas mal. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. C'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'on va y arriver. La blessure grave, ça ne sert à rien. Immobilisation des personnes, on va essayer ça. Allez, première immobilisation. On a toujours pas assez de vie. C'est pas ce que Khalid essaye de faire, mais c'est compliqué. Deuxième fois, immobilisation, si c'est possible. T'as besoin de vie. Tu recules. On a réussi. Oh, nous sommes vivants. Je crois que c'est bon. Et voilà. Le dragon est décédé. Je crois qu'il y a un pull-up quelque part. Alors attendez, on va pull-up ça. Pull-up. Je peux copier ça, oui. Hop. Voilà, merci. C'est fait. Waouh, c'était compliqué. On est 90 millions, hein, du coup. Merci pour le point d'expérience. Voilà. Par contre, les potions de soins infligeront des dégâts, des dommages aux morts vivants. C'est intéressant, mais c'était pas un mort vivant, je crois. Ok, c'est donc une faculté spéciale. Mais ouais, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Bon, il y a du coup, voilà, on a fait le tour. Hein. Carte du monde. Non, c'est pas ça. Partie de la zone sélectionnée. On avait déjà vu qu'il y avait rien. Voilà, on a fini. C'est juste pour le... Pour le... C'est une fausse porte, elle ouvre sur une pente roche. Ok. Voilà, bravo, bravo. Bravo tout le monde. Grâce à la... Grâce à la potion et à la drogue, nous avons réussi. Félicitons-nous. Oui, bien sûr. Ah, regardez. Cette ville n'a pas du tout changé sans un monstre. C'est fait. Sans un vampire. Comme quoi, tu joues mieux devant l'écran que aux toilettes. Alors, en vrai, quand j'étais aux toilettes et que elles ont joué tout seules, je tiens à préciser que ça s'était bien passé. Ça s'était bien passé. C'est-à-dire que, au final, Jaera est morte des blessures de que Razad a fait avec son aura de feu. Ou d'un empoisonnement quelconque, je ne sais pas lequel. Bien sûr, nous ne sauvegarderons pas tout de suite, bien entendu. On va se mettre en danger tout de suite pour pouvoir bien vérifier que nous avons fini cet endroit. Nous sauvegarderons plus tard. Ah non, j'ai déjà sauvegardé. Oh là là, la manie. La manie. Bravo à tout le monde, hein. Vous avez été là pour ce passage. Pour regarder ce combat infernal. Nous avons réussi à passer le dragon. Du coup, je ne sais plus. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui voulait nous parler. Callahan, il avait besoin de nous parler, je crois. On va faire dodo, là. Ah oui, mais on peut pas faire dodo. Ah oui, on n'est pas dispersé. On va faire dodo juste devant Callahan. Voilà.
Ouais, Jaehera, je sais pas ce qui... En plus, le pire, c'est que c'est le jour où j'ai dit « Ouais, Jaehera, c'est quand même une bonne personne. Je critique beaucoup, mais... » Mais bon. Ah, d'ailleurs, faut que je charge mon téléphone, en fait. Y a des choix que j'ai décidé de faire. J'ai rechargé ma cigarette électronique plutôt que recharger mon téléphone. C'est incroyable, cette histoire. Alors, attendez. Le tryhard, c'est la base de BG. Ah. Ouais, j'aime pas trop. J'aime pas trop. Et pourtant, en ce moment-là, j'ai récupéré... à cause de Speedon, j'ai récupéré... Donkey Kong Tropical Freeze. Qui est en vrai... que je voulais absolument réécouter les musiques de Donkey Kong. C'est un des derniers... sur Wii U. Donc j'imagine qu'il n'est pas encore sorti... Enfin, il n'y a pas d'autres qui sont sortis encore sur Switch. Peut-être qu'on jouera à ça, mais c'est le seul endroit où je me permets de faire des try on retry parce que j'ai fini aucun Mario, aucun Donkey. Donc je me suis dit, ouais, faut peut-être le faire, faut peut-être que je m'y mette un jour dans ma vie de finir Vous un avez Mario l'air ou un Donkey. drôle. Mais il n'y avait pas un truc où on devait discuter avec des gens Vous êtes ici? pas d'ici, vous. Ça se voit. Peut-être lui, là. Tryhard, c'est la base. Ah, mais je suis en train de remarquer, il faut vraiment que je fasse un truc avec mes cheveux. Je me suis pas du tout coiffé. Vous venez... Enfin, pas du tout coiffé, si on peut... Si je peux arriver à me coiffer, déjà. Vous venez d'arriver en ville, vous aussi. Vous êtes un ami de cet érudit appelé Mendas. Nous le connaissons, oui. Désolé, jamais entendu parler de ce type. Bienvenue à Barbe du God, j'espère que vous vous plairez ici. Ok. Je vais te reparler Vous êtes pour voir pas ce que tu me d'ici, dis. vous. Ça se voit. Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire des multi-discussions. C'est vrai que moi, j'ai tendance à parler avec les gens une seule fois. D'ailleurs, Et maintenant, parlons avec que les se gens, passe-t-il? parlons avec les vaches. Bonjour. Quoi? Par Vous avez ici? l'air drôle. Non, j'ai pas la Switch. Malheureusement. Je n'ai pas la monnaie. J'ai charmé un animal, mais ça n'a pas Et marché. maintenant, La oui, vache bien n'a pas sûr. fonctionné. On va parler avec peut-être le cheval. Le cheval, il va peut-être. Mais nettoyer ce cheval, pourquoi il est. Pourquoi il a des. Pourquoi il a des. Vous voyez ou pas ce que je vois là? Pourquoi il a des. Pourquoi on dirait il pue? Parlez à ce cheval. Allez le cheval, maintenant tu es notre ami. Parlons ensemble. C'est fait. Ah ouais, il y avait un truc aussi que j'ai pas capté et qu'on n'a jamais fait, c'est de parler au groupe. C'est-à-dire qu'on a fini le jeu, mais sans parler avec les personnages. Oui, j'ai une coiffure casque audio, c'est vrai. Une coiffure genre... Mais là c'est très grave, hein, faut que je... J'ai des longueurs à l'arrière, là. Enfin, c'est très grave, façon de parler, hein, c'est... écoutez, je vais prendre Roland de la Tour Bresson et on va discuter avec Imoen déjà. Bonjour Imoen. Non? Gère? Non? Ok. Je crois qu'il n'y a personne qui veut me parler. J'ai une réputation incroyable, mais personne ne veut me parler. Bon, apparemment, vous êtes tous d'accord C'est fait. avec le fait de trouver un cordonnier. Hein. Vu que vous voulez pas me parler, je pars sur le fait que vous voulez chercher un cordonnier autant que moi. Le cheval, tu viens avec nous? Non? Il est plus avec nous C'est déjà. fait. Et salut la jeunesse! Quelque chose avec mes cheveux. Je me suis fait cri critiquer par des personnes âgées la dernière fois. C'était rigolo. C'est genre, ah, faut. Ah ouais! Ah ouais! Ah, faut faire un truc. Hein. Du coup, je me suis dit, bah non. Oui, bien sûr. C'est fait. Voilà. Une tâche facile. Une tâche facile. Je dois bientôt retourner dans Mais mes du coup, on a vraiment grottes. fini tout ce passage-là. Mais je comprends pas, il n'y avait pas un Les endroit où. familles me manquent. Une tâche facile. Toujours d'accord pour parler à de nouveaux amis. Pas le temps de te parler, en tout cas, à toi. Serveur, qu'est-ce qu'il peut me rajouter? Oh, des flèches acides x10. Bam! Ah si, ça veut dire que je peux en avoir 60.
Flèche acide, c'est pas mal, hein. Ça fait quoi déjà les flèches acides? Dégâts D6, D2, D6. Ouais, c'est pas mal. Peut-être acheter ça. 710, bam, acheter. Je peux pas cliquer sur acheter, pourquoi? J'ai masse d'argent, hein. Donnez-moi de l'argent, hein. Attendez, je te vends ça si tu veux. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Collier d'Aninimini. Des mouches, donc c'est fini. Pourquoi? L'anneau des princes, je sais plus ce qu'on devait faire avec. Les baguettes, les fléchettes. C'est pas pour nous, les fléchettes. L'amplificateur, il ne sert à rien. La baguette de feu, je me rappelle qu'on en avait potentiellement... On peut pas l'utiliser, c'est ça l'histoire. La baguette, faut qu'on l'identifie. Vendre. On va peut-être aller dans un temple, quelque part. Ah, mais oui! Bon, tiens, prends tout ça. Ça, on en a pas besoin. La chilina. La chilina, peut-être que ça peut être pas mal pour Khalid. On vend. Et maintenant, on peut acheter, bien sûr, flèche. J'ai dit, c'est flèche. Carreau de foudre. Ah ouais, ça aurait pu être pas mal pour plein de bestioles. Je pense qu'on peut les bloquer avec ça. Ça, du coup, je peux les utiliser si j'achète celui-là, par exemple, harmonie défensive. Émotion. Et quelqu'un peut utiliser émotion? J'ai non. Moi, je veux utiliser émotion. Je veux émotionner les gens dans ce périple. La cape de déplacement, comment ça? Un objet magique qui modifie subtilement l'image de son porteur. Celui-ci semble se trouver à 15 cm. Ah oui, ça veut dire pas mal, ça. L'acheter pour... Tu peux porter ça, Imoen? Par défaut, je vais dire oui. On va acheter ça pour Imoen. Le bâton d'aule. Plus 3. Wouah. Mais qui peut utiliser des bâtons? C'est ça la grande question. Et les... Qui peut utiliser ça? J'achète ça pour Imoen. La baguette des cieux, tu peux l'utiliser? Elle fait quoi? Charge de feu, colonne de feu. Ah, incredible. Ah, la baguette des cieux, on peut l'acheter pour... ok. Mais il y a combien de charges? Portée, 36 mètres. Zone d'effet, une créature. Nécessite 9 en intelligence. Incroyable. Il n'y a pas écrit druide. Hein. Je dis ça comme ça. Mais... J'ai l'impression que je vais me faire carotte. Attendez, on va vérifier ce qu'est GRA, mais jusqu'à preuve du contraire, elle est guerrier druide. Ah oui, d'accord. Alors, attendez. Il y avait marqué guerrier, je crois. Respecter l'audio, actualiser. Actualiser quoi? Réinitialiser zoom. Dézoomer. Le chat, il avait un clic droit, ouais. Les bâtons, c'est pour les majos. Ouais, mais elle a un bâton dans sa main, là. Ou pour Imoen, on va lui donner le truc de déplacement. Hop, bim. On cherche toujours nos chaussures. Hein. Je rappelle, les chaussures. On va rééquiper les flèches de l'enfer. Notre ami Roland de la Tour Brosson. Ah, c'est pas les mêmes. D'accord. On claque cela. On va identifier de toute façon celle-ci. Donc là, qu'est-ce qui nous manque? En fait, moi j'aimerais bien que tout le monde soit un peu protégé, quoi. Cadeau d'Eventar. Ouais. Rien. Une amulette. Ce serait bien de trouver une amulette. Et d'après ce que j'ai compris, il y a une sorte de petit truc pour toi. Voilà. Que ça t'aiderait pas. Non. Plus de dégâts, de base. Hache de bala est pas mal. Tu n'es pas alourdi, peut-être. Plus de... Eh mais... T'es à walpé? Non, c'est qui a walpé? Dorn! T'as vraiment rien, hein. Faut qu'on te trouve des choses. Bon, c'est fait. On va faire le tour des magasins. Un bâton et un gourdin, c'est pas pareil. C'est, j'avoue que j'ai fait la bêtise. Regardez Imoen. Elle est tellement floue. Elle est floue.
une tâche facile. Au moins, Imoen ne prendra pas trop de coups. Après, c'est dommage parce que ça ne devrait pas forcément être elle. Je pense que ça serait mieux sur Khalid qui est au contact et qui n'a pas forcément beaucoup de défense, je trouve. Donc on verra. On va regarder aussi la biographie parce qu'il faut que je l'écrive hein, à un moment. Donc ouais, je me disais, c'est bizarre parce qu'il y a une flèche qui nous dit qu'on peut aller de quelque part. Et j'imagine que la flèche, du coup, c'est pour aller loin, très très loin. La tour du Durlag, on l'a fait, c'était très bien. Hein. C'était très très bien, on s'est enfui tout de suite. Je voulais qu'on aille à revoir la forteresse Gnoll, parce qu'il peut y avoir quelque chose ici. Qu'est-ce qu'on a ? On va regarder d'abord la biographie. Où on en était. La tour de Burlag. Malheureusement, nous sommes recherchés à cause de mon frère, Sarevok, descendant de Baal, aussi connu sous le nom de la mort. Personnalisé. On va personnaliser la biographie. On en était là. Le Dark Sasuke de la famille a invoqué une créature vampirique. Je soupçonne qu'elle survit par ses moines, mais pour l'instant, on a autre chose à faire. Alors. Suite à la Dark Sasuke. Non, alors. Comment on dit ? Sarevok a été trahi. Non. A été retrouvé. Retrouvé. Repoussé dans ses retranchements. Je ne sais plus où. Je ne sais plus où. Nous avions d'autres problèmes à régler. À régler. La quête finale des internets. Notre tryhard. Oui. On peut faire du méta dans la bio. Nous avions d'autres problèmes à régler. La quête finale des internets. Je vais mettre entre guillemets. Trouver des chaussures. A bien avancé. Maintenant. Je vais mettre juste point. Celle-ci a enfin. On va faire ça épique. Nous avons. Je vais mettre un peu de son d'ailleurs. Nous avons pu. D'autres problèmes à régler. Virgule peut-être. Virgule. La quête finale des internets. Nous avons pu. Peut-être mettre un espace là, il s'en manque un espace ici. Nous avons pu. Apercevoir. Une lueur d'espoir. D'espoir. Dans. Sur un cadavre. Sur un cadavre. Comment on pourrait dire ? Il nous reste encore à chausser Dorn. Sarevok n'a qu'à bien se tenir. Maintenant, je vais mettre. Maintenant que nous n'avons rien claqué pendant plus de. On est à 49 épisodes, donc ça fait 49 fois 1h30, ça fait quoi ? 49 heures plus 49-30. Donc du coup, 49 fois 30, ça fait quoi ? La moitié. On va mettre la moitié, c'est 24-25. 24, donc ça fait 49 plus 24, on est à peu près à 73 heures. De récupération de monnaie. Attendez, la bio ne suit plus. Monnaie.
Nous allons enfin tout claquer en potions. En potions et autres merdes trouvables dans des magasins. Nous gagnerons grâce au consumérisme. Nous gagnerons grâce à notre... Attends, comment on peut tourner ça? Nous gagnerons... On va tourner ça genre... En fait, j'ai envie de faire la blague de nous gagnerons grâce au pouvoir d'achat, quoi. Ça n'a aucun sens. Mais nous gagnerons grâce à ce... grâce au pouvoir d'achat de cet argent volé ou pillé, non, comment on dit, de cet argent, faut faire une blague, de cet argent pas volé, mais genre de, on va dire, dûment ramassé. C'est pire. Dûment ramassé sous nos doigts de pied. Nous gagnerons grâce au capitalisme. Et en fait, c'est un peu l'idée, mais je voudrais pas me mettre à défaut la communauté du coin. Donc en vrai, ce n'est pas ça. On est riche. On est riche parce qu'on a trouvé de l'argent. Donc du coup maintenant, vu qu'on n'a jamais rien claqué, qu'on a récupéré nos potions, etc. Le mieux ce serait d'utiliser toutes ces potions, vu que de toute façon les gens contre qui on se bat, c'est des mages. Du moins ramassé, je pense que c'est pas mal. Parce que ça pousse. Hein. Voilà. Je coupe le son. Vérifions. Je pense qu'on n'a pas raconté grand-chose, mais vu qu'on n'a pas besoin de raconter les quêtes annexes, maintenant que nous n'avons rien claqué pendant plus de 73 heures de récupération de monnaie, nous allons enfin tout claquer en potions et autres merdes trouvables dans des magasins. Nous gagnerons grâce au pouvoir d'achat de ce dûment... De quoi? Attends. De ceci, comment on dit? On est riche, mais pas grâce à un héritage, clairement. Non, on est riche parce qu'on a trouvé l'argent. Clairement, bon, après, c'est majoritairement sur des cadavres, mais voilà. Nous gagnons grâce au pouvoir d'achat de ce... Comment on pourrait dire? En vrai, on commence l'argent à zéro, on commence le jeu à zéro... On finit le jeu à zéro. Je pense que c'est un début de quête tout à fait compréhensible pour le si jamais on fait le 2. On commence à zéro. Bon, comment veux-tu expliquer que dans le 2, t'arrives sans les 140 000 balles que t'as trouvées? C'est compliqué. Donc, si on doit faire une suite de l'histoire de Roland de la Tour Brosson, vaut mieux qu'il soit à zéro à la fin. Bon, alors du coup... Nous gagnerons grâce au pouvoir d'achat de ce... Comment on dit? De ce pécule. On va mettre ce pécule. Parce que, bien sûr, on utilise les termes de petit argent, bien entendu, pour expliquer. Terminé. Ok. On exportera après, bien sûr, le personnage. Bon, est-ce qu'on a des quêtes en plus? Je ne crois pas. Parce qu'en fait, on en a fait pas mal. Hein. La cape d'Al... Ah oui, c'est vrai qu'il faut trouver à l'auberge. Je pourrais le trouver à l'auberge à Bergost. La cape au district nord-ouest de la porte de Baldur. Baldur, donc il faut aller voir Baldur et on raconte qu'il en reviendra pour gouverner. Mais là, je crois que ça c'est un vrai exagéré. Sa disparition remonte quand même à plusieurs siècles. Ok. Les Balduriens, ce sera du côté de Fallen 2. Ouais, ok. Il vit dans les bois des dents acérées. S'est fait dérober son parchemin de la sagesse. Il semble connaître le secteur comme sa poche et croit savoir qu'il se trouve entre les griffes d'un Nethercrab plus loin vers l'est. Mais on l'a pas trouvé.
Informé qu'il existait un passage secret en direction des ruines de pont de fin. Mais ça, on l'a déjà fait, mais après, ça ne servait à rien. Hein. L'investigation dit qu'il passa d'étranges choses au sud-ouest de la porte de Baldur, mais du coup, oui. Prends une pièce d'or pour une vieille paire de bottes. Ça a été une affaire malgré les créatures qui veillaient sur elle. La chasse à l'ogre. Mais pourquoi tout ça s'est pas accompli? Ah oui, c'est vrai qu'on l'a jamais trouvé aussi. Je dois rapporter un crâne à Talentir afin que celui-ci puisse essayer de reprendre. Ah, mais on a toujours pas trouvé son crâne. Mais il y a trop de choses! Au sud de Château-Suis. Il y a beaucoup trop de choses, il y a trop de choses. L'ascension de Sarévoque, c'est la fin. Mendas a dit avoir fait le trajet d'eau profonde jusqu'à Barbe d'Ulgot. Mais Callahan dit qu'il n'a nullement l'accent à quoi fondait. Mendas doit sans doute venir d'ailleurs. Oui, mais d'accord, mais... Le home de Baldurien. Les ruines de Flammevin. Ça, ce serait pas mal si on avait un moyen d'acheter des équipements elfiques. Bon, alors... le pont de Flammevin, il est à côté de tour de Gurlag. Donc, on va aller vers la tour de Gurlag et on va descendre. On va voir ce qui se passe. Qui êtes-vous? Oui, bien sûr. Ah oui, c'est pas lui qui disait... Mais on voit plus rien, je vois plus rien. Seule la mort attend les pauvres bouts qui osent y entrer. Dépensez votre argent tant que vous pouvez encore. Tu veux nous vendre quoi? Wouah! Mais il est équipé comme pas deux. Flèche de feu, je veux bien. Carreau de foudre, on s'en fiche. Potion de soin. Regardez, là, il en vend 100. Attendez. Les potions de soin, on peut se remplir. Hein. Ouh là là! Baguette de feu. Ah, c'est vrai qu'on a pas, on a toujours les baguettes, on a plein de trucs qui ne sont pas encore repérés. Une tâche. Je ne vois rien, je ne vois rien. La carte. Entrée principale de la tour de Durlag. Ah oui, on n'a jamais fait le tour. Mais on va faire dodo ici. Hein. Je suis désolé, mais je vois rien du tout. Ah, logiquement, si on doit faire la deuxième épopée de Roland de la Tour Brosson, je pense que Roland de la Tour Brosson meurt pas à la fin de ce jeu. On est d'accord que... Que la suite, c'est la suite de Roland de la Tour Brosson, où on fait les enfants de Roland de la Tour Brosson. On essaye de trouver un nom rigolo. De toute façon, on sait qu'il y a des horreurs dans le coin, c'est des trucs que j'aime pas. Après, on a fini la tour de Durlag. Donnez-nous de l'expérience, s'il vous plaît. De l'expérience. On a besoin d'expérience pour taper sa révoque. Bonjour. Vous êtes où? Rappelez-vous qu'on avait fait directement sur la... Regardez, ça c'est de l'exploration. On a vraiment exploré rien du tout, on est allé directement chez Durlag. Que vous pensez? Ah! On peut descendre. Incroyable. Alors, est-ce qu'on va découvrir un truc? Je sauvegarde avant, bien sûr. On n'a rien découvert du tout. On peut aller se faire... C'est fait. Bon, sinon, vendredi, c'était cool, hein. J'ai eu le droit à un café offert, c'était cool. J'en ai pas parlé, mais... De croiser des gens connus de l'internet. Ouais, je remarque que je parle beaucoup quand même, au final. Incroyable. Bon, on va se balader par là. Ah! Bonjour, petit... Est-ce que vous avez un crâne? Avez-vous un crâne à me donner? Non. J'ai besoin de mes fléchés. Les fléchés, s'il vous plaît. Et maintenant, où? Fléchez cet enfant. Ce squelette, pardon. N'utilise pas les flèches de l'enfer là. Moi je veux que tu utilises là. En ce moment là, actuellement, t'as pas besoin d'utiliser tout ça là. Moi je veux que tu claques les normales. Hein? Merci. Les 60 d'acide, ça sera pour sa révoque. Vous pouvez taper lui. Ouais, j'ai plein de trucs pas faire. Regarde. Je n'ai rien fait du tout. Je suis allé directement dans la tour. J'ai fait. Oui, bon. On est un peu bête, hein. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, c'est un squelette. Pourquoi il est sombre? Ah, c'est parce que c'est dans l'ombre?
Mais non, il y a des horreurs. Il y a des gardes noirs, quel enfer. Mais merde, sur gardes noirs. Hein. Bim. Ouh là là, ça tape, hein. Même caméra sur non. C'est comme si c'était. Vera, tu peux t'en fier. Tu peux t'en fier. Tu peux t'en fier. Non. Bon, ok. Tapez tout le monde, hein, s'il vous plaît. Surtout le garde noir. Salut, Strega. Oui, les Schtroumpfs. J'attendais les Schtroumpfs. Merci pour les Schtroumpfs. Voici les Schtroumpfs de lentilles. 5 minutes de pause, c'est vrai, vendredi, t'es allé passer parler avec le monsieur de l'histoire crépus, c'était cool. Alors, il y avait plusieurs mondes, il y avait aussi Cerea que vous voyez aussi dans les chats. C'est fait. Pas croiser toute la team, hein, mais. Apparemment, il y a du monde. J'ai acheté des flèches. Oui, j'ai acheté des flèches, c'est vrai. Pour la première fois, c'est vrai que c'était la... j'aurais dû préciser que j'ai acheté des flèches. C'est vrai qu'on n'a jamais fait ça de tout l'épisode. On a claqué de l'argent, on a rajouté des trucs. D'ailleurs, t'as 5 minutes de pause, je te raconte du coup la biographie. On a rajouté... Tarevok a été retrouvé, repoussé dans ses retranchements. Je ne sais plus où. Nous avions d'autres problèmes à régler. La quête finale des internets, trouver des chaussures. Nous avons pu apercevoir... Très mal écrit d'ailleurs. Une lueur d'espoir sur un cadavre. Il nous reste encore à chausser Dorn. D'ailleurs, une faute là. Sarevok n'a qu'à bien se tenir. Ouh là là, les fautes. Maintenant que nous n'avons rien claqué pendant plus de 73 heures de récupération de monnaie, nous allons enfin tout claquer en potions et autres merdes trouvables dans des magasins. Nous gagnerons grâce au pouvoir d'achat de ce pécule dûment ramassé sous nos doigts de pied. Et non, la foire à la bottine, presque. On a failli faire un truc de tech bro en disant ouais, on va trouver un moyen, ou de crypto bro plutôt, grâce à l'argent bien sûr, monter des trucs de Ponzi là, je sais plus comment ça s'appelle, les pyramides de Ponzi. Il a fini son tryhard sur le dragon, c'est vrai qu'on a tué le dragon, c'est vrai que... Et pourquoi les squelettes ils veulent pas nous donner des crânes? Ce serait sympa de nous donner des crânes, on cherche un crâne. Continue, hein. On peut pas monter sur le rempart, là? Ah. Là, on est retourné à la tour de Durlag. Bon, j'espère que, en tout cas, ta pause va bien. Enfin, tu vas bien et que ta pause va être cool. Merci d'être passé, en tout cas. Si tu pouvais pas, c'était pas grave, hein. Mais j'avoue que j'ai envoyé un message... J'ai un message pas pour le Schtroumpf. Parce que je t'ai vu bien t'amuser hier dessus. Et surtout, je crois qu'il y a eu une reprise de porcherie version Schtroumpferie. Et je crois qu'on peut pas acheter de l'expérience, non. Par contre, ce serait bien d'acheter des livres si on peut avoir de l'expérience. On pourrait peut-être comme ça. Ah mais c'était rigolo. On a acheté une... Alors, on a rendu flou Imoen, on a acheté une cape qui rend flou. Ça prendra moins de dégâts comme ça. Comment on monte là-haut? Je vais cliquer là. On va voir par où les gens passent. Je comprends pas trop là. Ah, il y a une porte. On va rentrer par là. Ah oui. Bon bah voilà, tapez tout le monde, hein. Surtout lui là. Qui se fait taper, c'est gérant. Là, vous êtes en train d'essayer de... Vous faites de la capoeira, les gens, là, s'il vous plaît. Généralement, t'es myrtille. D'accord. Regardez, hein, Imoen ne se prend aucun coup. C'est beau, hein, quand même, cette cape. Y'a même plus le son de la musique. Le dessin du Schtroumpf est proche de la perfection. C'est ce qui a été dit, je crois.
Celui qui fait pleurer de rire. Alors j'ai pas vu encore le live en entier, je suis tombé juste après, j'étais un peu occupé, je regardais Mr. and Mrs. Smith avec Donald Glover et bien sûr Maya, oh, je sais plus comment elle s'appelle, celle qui joue dans Penny, qui est une très bonne série et qui l'a faite d'ailleurs, je crois que c'est même basé sur son histoire, sa biographie entre guillemets. Où il y a Donald Glover qui a décidé de faire Mr. and Mrs. Smith avec... avec lui et elle en tant qu'actrice, donc du coup que je regardais tranquillement, c'était cool. Bien aimé. Pour l'instant j'aime bien. Après très. Ah bah on t'avait perdu toi. Très conforme aux séries aussi, mais il y a un petit fond rigolo quand même. Il y a un petit fond qui est pas mal. Ouais, on est des tueurs à gages et en fait on fait le principe de comme un couple quoi. Mais je crois que c'est là-haut en fait qu'il faudrait passer. Oui, bien sûr. Vous pouvez passer là-dedans. Je m'en vais. Pas de automatiquement. C'est fait. Non, faut aller là-haut. Non mais faut arrêter d'être bête par contre s'il vous plaît. Merci. On a tout le monde là. Oui. D'accord, merci de répondre. Ouais, en haut j'ai un truc de pas fait, mais je crois que le seul passage que je peux prendre c'est de l'autre côté, en haut, hein, de ce côté là. Et là je sais pas autre que passer par en haut du coup. Et on peut même pas sortir d'ici pour pouvoir avoir un truc découvert. Oui, c'est ce que je viens de faire. Newl, je dois repartir, je pense que le stream sera fini le temps que je revienne. Des cœurs, Strega, bonne journée. Je vais lâcher mes... Ah, en plus il y en a deux différents. Il y a le pogo et le 360. Ok. Ah d'ailleurs je vous ai pas dit mais hier c'était l'anniversaire du stream. Cette chaîne a 5 ans officiellement. On essaye de s'organiser un truc. On essaye de s'organiser un truc avec Nibbler mais là, c'est compliqué nos plannings donc du coup voilà. Peut-être dans le futur, dans pas longtemps. Entre maintenant et j'espère septembre. Oui, bien sûr. Ça serait pas mal. Ah, je peux pas aller là. Pourquoi? Ils nous disent qu'on peut, mais on peut pas. On pas. Ah, il y a peut-être des passages par des endroits pétés. Genre, faut sortir d'ici. Oh non, faut pas sortir de l'intérieur du truc, s'il vous plaît. Respectez-nous. Oh non, faut pas rentrer dans la tour de Durlag. Oui, du 18 mars 2019, j'ai créé ce compte. Ce qui veut dire, parce que je suis bête, hein, dans mes habitudes, c'est que j'ai créé le compte en ayant déjà travaillé sur potentiellement OBS et compagnie, et que j'avais déjà réfléchi à comment faire. Et normalement, entre 18 mars et septembre, j'ai commencé à faire des tests de live, au niveau de la connexion, etc. Donc du coup, en 2019... officiellement, c'est ça. À partir de septembre 2019, bizarrement, il y a eu un truc qui s'est passé. Le Covid. Et ça a officialisé, du coup, le lancement, entre guillemets, de la chaîne, parce qu'on a commencé à faire un truc pour pouvoir se connecter avec le monde. Et ouais, 5 ans, ça fait beaucoup, hein. Ça veut dire que ça fait quand même 5 ans que je suis dans les chats, ça fait beaucoup trop, hein, beaucoup trop. Hein. D'ailleurs, la dernière fois, vendredi, on m'a dit, il y a Seréa qui me dit, mais tu traînes beaucoup sur les chats de Twitch, enfin sur Twitch. J'ai dit non, pas du tout. Hein. J'ai dit autant que toi, je pense. Je suis pas du tout H24 dans les chats, hein. c'est tout à fait faux. Il y a une sortie quelque part là. Là, j'ai vu qu'il y avait un truc qu'on pouvait peut-être passer par là, non? On a vraiment tout évité, hein.
Là, regardez, il y a des choses. On peut cliquer. On n'est jamais allé dans cette tour de Durlag, là, de l'enfer. Là, il y a une sortie, là, peut-être. Est-ce que c'est une sortie? Oh! Un coffre-fort, on l'avait jamais vu. Incroyable. De quoi les habitudes de prendre... ouais, 5 ans, ça fait beaucoup. Cinq ans et du coup, officiellement... 4 ans que je réfute l'affiliation. Faut que j'arrête de mes bêtises. On peut l'ouvrir ce truc là ou... Moine, tu veux pas l'ouvrir? Moi, je m'en vais. Ah, c'est vide. C'est fait. T'as plein de trucs pas cherchés. Non, c'est faux. C'est faux. On sait pas comme si on avait fait du... On commence en fonçant dans le tas. Hein. C'est... Ah, on peut monter. Incroyable. What the fuck? La tour de Durlag est une tour. Ah, une bestiole. Mais on peut monter dans la tour. Comment ça? C'est possible ça? On m'aurait menti. Oh, il y a encore des pièges. Mais c'est une blague? Vous êtes une bien étrange personne. On est tous passés dessus. On a tous pris un coup. Tellement d'endroits où j'aimerais être. Ah ouais, clairement, la tour de Durlag, c'est pas vraiment le meilleur endroit. Hein. On va forcément déclencher tous les pièges. Hein. Rappelez-vous, c'était vachement bien à l'époque. Regardez, il y a un piège là. On l'avait pas. Attends, il est où Razad? Allez, Razad, tu vas. Ah non, Razad, il fait pas la détection des pièges. Si, il fait détecter, mais il les utilise pas. Ok. Enlever ce piège. On va gagner de l'expérience pour Imoen. Non, mais Imoen, par contre, il faut que tu laisses passer les gens. Tu es peut-être flou, mais les gens te voient. Wouah, what the fuck? Faites quelque chose, hein. N'hésitez pas. J'en ai assez. C'est verrouillé. Oh non, ils ont bloqué Roland de la Tour Brosson. Vous avez quelque chose à accomplir? Les blêmes, je les aime pas. Allez, faut focalisez-vous sur lui là. Je l'aime pas là. Ah, plus là. Voilà. Lui là. Il bloque tout le temps là. Ah! Mais. Tellement de trucs. Ouais, c'est sa cape qui la rend flou. Parce qu'en fait, elle se déplace. Ça, c'est une blague, hein. Franchement, c'est une blague. Y a pas une sortie? Nous, on cherche une sortie pour l'extérieur. Ah. On va encore trouver de l'argent en masse. Ah! Le piège est là. Oh. Le piège. Ah, on peut pas le désamorcer, celui-là. Une tâche facile. Oui, c'est peut-être au centre. Mais tu te doutes que j'aime bien me balader. J'ai mis en plus balade champêtre dans le quête de live. D'ailleurs, l'étiquette qui est apparue, je ne sais pas d'où, c'était Punching Ball Brigadier. Moi, je m'en vais. Ah bon, d'accord, on Punching Ball les Brigadiers. J'en ai assez. Oui, mais quand il y a de l'argent, t'en as assez aussi, parce que là, il y avait beaucoup Qu'est-ce de thunes. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, Mouen, très discutante aujourd'hui. Ah, c'est verrouillé en plus. Il y avait un piège, mais c'était verrouillé. De la thune, de la... Oh. C'est qui a la pochette? Qui a la pochette de potions? C'est comme si c'était fait.
Qu'est-ce qui se passe? Allez, quelqu'un là. Je peux toujours essayer. Cool, la cave. Bon, allez, on a tout pris. C'est fait. Y'a d'autres choses? Oui, la cave avant, c'était pas mal. Pourquoi ça bouge là? Ah, c'est parce que quand je marche, ça fait bouger la map, c'est bizarre. On fait dodo maintenant. Ou est-ce qu'on joue le... T'as laissé une pierre précieuse dans... Quoi? Ah oui, c'est vrai, mais bon, c'est pas grave, on reviendra, de toute façon, faudra descendre. What the fuck? Cette tour est une vraie tour. Vous avez besoin de quelque chose? Vous êtes un vendeur? Vous avez besoin de quelque chose? Roland Natourbeausson, disons que c'est mon nom, je suis là pour piller la... non, on va pas dire ça. Disons que c'est mon nom, ça vous ennuierait de, me renvoyer l'ascenseur? Qui êtes-vous? Rigilio, c'est mon nom, et je n'ai pas la moindre envie de partager cet endroit. Il y a bien d'autres niveaux, et vous devriez aller plus bas. Nous avons déjà bien assez de problèmes, inutile de se disputer le butin. Si je m'indignais du fait que vous me dites où aller, je pourrais m'énerver. C'est ce que vous souhaitez qu'il en soit ainsi. Oh, venez, là, je partagerai tout ce que je trouverai avec vous. Ah oui, eh bien, il me serait très pénible de devoir vous tuer simplement pour avoir dit ça. Pourquoi n'essayez-vous pas de m'embarrasser un peu plus pour me donner une raison de vous faire disparaître de ma véritable existence? Ok. Ce n'est pas nécessaire, mon ami, je ne tiens pas à me faire d'autres ennemis ici, je vais poursuivre ma route. Et si on essayait de ne pas s'entretuer, tenez, je partagerai même ce que je trouverai avec vous. Je vais où je l'entends. Si vous pensez que vous pouvez m'arrêter, ce serait le moment d'essayer. Là, pour conquérir cet endroit. Hein. Les communes... Bon, allez, adieu. Je sais pas qui t'étais, mais clairement, t'étais pas un ami. Touché vampirique, c'était un vampire. Amusez-vous bien. J'en ai assez. Il est pas mal, hein. Verrouillé, attendez, j'ouvre. Moi, je peux ouvrir. S'il n'y a pas le choix. Une tâche. Désolé, hein, mais t'as pas été sympa avec nous du tout. Hein. Je peux toujours en plus, essayer. Je vois pas pourquoi c'est nos concurrents, non? C'est ceux qui... Enfin, nos concurrents. C'était ça, l'histoire? Je sais plus. Non, mais en plus, on a fini la tour. Donc du coup, je comprends pas. Il est pas au courant qu'on a fini la tour? J'en ai assez. On va pas lui partager un truc qu'on a déjà partagé avec je sais pas qui. Ah si, on a partagé ça avec le avec le dragon vampire. Du coup, on lui a donné la vie. Ah oui, d'accord. J'ai pas la Je place. Peux toujours essayer. Mais il est alourdi, oh là là. Il t'en faut peu, hein. C'est fait. Regarde l'heure. Ah oui, il est l'heure que je dois partir. Là, on peut monter. Bien, bon, on revient là. Hein. Et là, on peut monter aussi. Donc ça, c'était... Ah, mais tiens, il y a une bibliothèque. Que Dieu vous garde si vous réussissez. Et on a réussi, Moen. On a déjà fait la tour de Durlag. C'était marrant. Hein. Nous, on est descendu direct. On n'a même pas essayé de monter. Et en fait, au final, il y avait des gens dans, dans la montée. Regardez les... J'en fous un peu. Allez, des pièges. Nous, on veut les pièges. Les pièges. Les pièges. Oh, peut-être un crâne. Ah. Oh non, c'est vrai qu'on se balade toujours avec le truc de Durlag. Durlag, mon ami, Durlag, vous êtes revenu après tout ce temps. C'est moi, Daïtal, votre vieil ami. J'ai attendu longtemps votre venue pour vous aider, mon ami.
Aimez-vous, créature, que voulez-vous? Je vois que vous êtes toujours aussi grognon avec ceux qui ne sont pas de... Ok. Bien que vous soyez même l'air, vous ayez le même air plus grand que dans mon souvenir, c'est sans doute moi. Je me souviens clairement de si peu de choses ces derniers jours, ces années-ci. Je suis là pour vous servir du mieux que possible, pour m'acquitter de ma dette envers vous. Je me souviens à peine comment je l'ai contractée, mais je m'en acquitterai. Pouvez-vous en acquitter en me donnant quelque chose? Avez-vous quelque chose de valeur? Je n'ai nullement besoin de vos services, considérez votre dette réglée. Est-ce qu'on lui demande de quelque chose? Ma dette, vous savez bien, lorsque le démon est venu en prenant les visages des hommes de votre clan, lorsque les amis et les miens sont devenus le mal personnifié, vous nous avez protégés, vous avez combattu, même si... C'est moi qui ai eu le plus de chance, j'ai été libéré de cauchemars de la vie, sans souffrant je paierai, vous devriez savoir, oui, vous avez changé, vous n'êtes pas Durlag. Oh là là... Passons aux choses sérieuses maintenant. Combat de... Merci pour l'expérience, hein. N'hésite pas à revenir au même endroit, hein. Oh non, on était en dessous. Oui, bien sûr. Ça me fatigue. Oui, on avait déjà tout fait ici, on était monté après. Là, il y avait des pièges. Bon, on va s'arrêter là. Et dodo, dans la tour de Durlag. Oh là là, le retour à la tour de Durlag, j'y croyais pas. Je ne sais pas si vous y croyez. Moi, je n'y crois point. Bon, je me motive. Hein. Bravo, bravo à tout le monde d'avoir été dans le coin. Merci Clem Lelu. Merci Strega d'être passé. C'est cool. On va aller voir quelqu'un. C'est qui qu'on va aller voir aujourd'hui? Qui est en ligne? Ah, il y a Johan Chapoutot chez Dave Duf, mais je vais pas envoyer quelqu'un, enfin, je vais pas vous envoyer sur 445 personnes, c'est trop de sens. Il y a beaucoup de monde qui a du monde, hein. Ah bah il y a un road to 1000 followers. Il y a Dice Folk chez Raving Bell. Ah j'hésite. Gapos, mais pourquoi je le follow toujours pas? Mais c'est compliqué Gapos là. Bon, il y a deux personnes. Je vais découvrir quelqu'un qui a besoin de follow. Voilà, comme ça va être simple. On va chez Noobus Girl. Résumé du stream. Bravo, Clem Lelu, pour les 2927 caractères. Bravo, Strega, pour les 176. Et je vous envoie le spam de la lien de chaîne si jamais vous voulez rejoindre d'une autre manière. Voilà, merci beaucoup d'avoir été dans le coin. C'était cool. Je pense bonne journée. Il fait plutôt beau. Peut-être que je vais ressortir le skate parce que quand il pleut, c'est compliqué de skater sur du plastique. Ah, et Moen a dit quel ennui. Bon, il reste 50 secondes. Je vais faire ça, quitter. Oh, quitter la partie, ça ferme le jeu. Bon, bah.